Youm Love, bonsoir. Daisy QC, bonsoir. Show de popette commence à l'instant. Hey. Oui. Tout est ketchup. Mais oui, c'est clair. Oh mon Dieu Seigneur. Salut tabarnak. Ça va bien? Toi et mon Chris. Comment ça va, ma gang de calices? On a un appel. Tu m'as presque eu, mon tabarnak. Merci pour le son. Merci pour les bits de Sir Brick. Il m'a presque eu, mon Chris. Hey, wow, minute. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Oui, moi, ça va. Ben, c'est ça, je me suis trouvé une nouvelle job. Ouais. Mais oui, c'est clair. Une belle nouvelle job, là. En tout cas, c'est compliqué. Je vous expliquerai plus tard. Gizmo est bandé. Toi, là, tu fermes ta gueule. Ben oui, c'est ça. Je travaille... Oui. Ah, je travaille... c'est ça. Je travaille pour le Squid Game. Ouais. J'ai même pas besoin de faire bouger ma bouche, puis j'ai fait bouger quand même. J'étais un esti de cave. En tout cas, merci pour le train de la hype, bande de petits vimeux. Toi, là! Merci d'Esther Brick pour le son et les bits. Ce son est très de circonstance, ce monsieur. Toi, mon esti de cercle, là. Là, à soir, c'est toi qui lave nos bobettes. Je veux pas laver vos bobettes. Oui! Le carré me dit que c'est toi qui lavais les bobettes. Je veux pas laver les bobettes, bon. Hey! Tu fais ce qu'on dit, sinon tu sais ce qui t'attend. Je veux pas laver les bobettes. Si monsieur le carré dit que tu laves des bobettes, mon grand. Pourquoi c'est tout à moi qui lave les bobettes? Tu vas laver nos caleçons, espèce de sale propre. C'est pas une insulte, ça. Je m'en fous! Pis à part de ça, là, hein? Moi, là, hein? Faut que j'aille couper les ongles à Corée tantôt. Il dit, coupe-moi les ongles vers 4 heures du matin. Oublie pas de me couper les ongles vers 4 heures du matin. Fait que moi, si je fais ça, toi, tu vas laver nos bobettes. Merci FMQC pour le son et pour les bits! Ouais, ben moi si je commence à faire la grève... Tu commenceras pas à faire la grève? Pourquoi tu feras la grève? Je vais être syndiqué. Tu veux pas être syndiqué? Ouais. Oui. T'es trompé d'envoi. Non. Oui. Non. Oui. Là, écoute... Toi, tu laves nos bobettes... À moi pis à Corée. Moi... À
4h du matin, faut que je me lève pour aller couper les ongles à Corée. Tout va bien aller. Fais ce qu'on te dit, tout va bien aller. Comprends-tu? Oh, tabarnak! Ah! Oh. C'est-tu toi qui as chié, cercle? Ben oui, c'est moi qui ai chié, parce que tu me fais chier. Ouais, ouais, mais calice, ça pue, man! Même si j'ai un masque d'en face, je le sens! Mais ça me dérange pas. Là, là, t'es mieux de laver nos bobettes, le cercle, parce que sinon, moi pis Carré, on va le forger! T'as compris? Ouais. Mais avant, je vais aller jouer au PlayStation. Mauvaise blague! Excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. C'est moi, pas petit gars. Je suis déguisé, c'est l'Halloween. Et comme tout le monde parle de Squid Game, c'est ça. C'est rendu ici, Squid Game. Qu'est-ce que tu veux que je dise, tabarnak? Qu'est-ce qui se passe? Hey, le cercle. Qu'est-ce qu'il y a? Passe la main, elle a pas eu le mémo. Check-y le costume. C'est quel icon. Mais, fallait se déguiser en Squid Game! Pas en... C'est une banane? C'est-tu une banane harmonica? Passe-moi ça. C'est donc ben débile. Asti, il y a de la poussière dedans. Asti, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas eu le mémo, la main? Fallait qu'on se déguise dans Squid Game. Quoi? Tu vas aller te déguiser en madame qui tue? Ah, oh, la poupée! Ok, vas-y. Vas-y, va te déguiser. Ah, t'as entendu ça? Ben oui, tu es pince, hein? Ouais. Hey, con, hein? Oh, oui. Tu laves nos bobettes, hein? Ah, si, j'avais oublié. Oublie pas. Bon. Y es-tu prêt à ton costume, la main? Il est mieux d'être prêt pis de beau, c'ti. What the fuck? Hey! Check le costume qu'elle a fait. Ah, il est énorme. Il est plus gros que moi. Mais, hein? Peux-tu voir toute sa petite culotte? On voit sa petite culotte d'ici. Eh ben... Regardez, c'est spécial, ça. T'es peur, hein? Mais, hein, man! C'est-tu des totons de homoplate? Oui, oui, c'est ça. Warlow, elle est de dos, tabarnak. Elle est de dos. Elle est de dos. Tout le monde fait ça quand... Toi, quand t'es de dos, t'es prêt à tourner ta tête de même. Ah, tabarnak! Ah! Ah! Shit! Ah! Shit! Ah! Shit! Ah! Tu t'es fait mal? Ferme ta gueule, toi! Le cercle! 1, 2, 3, coup de bec sur le bat. Ah ouais, c'est ça! T'as tout compris, Gizmo? Au lieu d'un, deux, trois soleil, c'est un, deux, trois, petit bec sur le bat. Un, deux, trois, petit bec sur le bat. Un, deux, trois, petit bec sur le bat. Je vais mettre du Lipsil. Du Lipsil. Lipsil. Je vais mettre des cils au bout des lèvres. C'est pas beau de tuer des gens pour rien, monsieur Triangle. Écoute, Tommy, je les tue pas pour rien. Ils me doivent de l'argent, beaucoup d'argent. Même 42 vies ne pourraient pas rembourser tout l'argent qu'ils me doivent. Alors, je les force à me donner des petits becs sur le bat pour l'éternité. Oh oui, ça c'est cave, hein? On t'a-tu demandé ton avis, le cercle? Mais non, mais c'est parce que je voulais... Hey! Mais je voulais juste... Hey! OK. Quand on va te demander ton avis, on va te dire le cercle, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, oui, mais... Taillette!
OK. Aurel, bonsoir. Aimes-tu Squid Game? Non, c'est parce qu'on est obligé de se costumer tout le mois d'Halloween ici sur Alvino Movies. On doit se costumer pour la fête d'Halloween. Mais oui, c'est clair. Et puis là, aujourd'hui, le thème, c'est Squid Game. Puis moi, j'étais un cercle. Là, le cercle, tu vas fermer ta crise de gueule? Excusez-le. Il gosse. Bon, là, madame. Popette Zombie Brian, t'as bougé! T'es mort, mon tabarnak! Fallait pas que tu bouges! Je pense qu'il était déjà mort, c'est un zombie. Ah ouais, t'as raison, le cercle. Viens-tu te dire que j'ai raison? Ouais. Tu viens de vraiment te dire que j'ai raison? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu me niaises? Non, t'as raison, c'est un zombie. Je l'ai tiré, il était déjà mort. Tu me dis que j'ai raison? Ouais, pourquoi? Oh mon Dieu, je me sens tout drôle en dedans. Comment ça? Mais tu dis jamais que j'ai raison! Ah non, calice. Tu vas pas chanter? Oui, oui, t'es bien. Excusez-le. Je suis le cercle. C'est moi qui ramasse les dégâts. Je ramasse tout le temps les pots cassés. Puis tout le monde me fait chier. J'aimerais qu'une fois qu'on me dise je t'aime. Je t'aime, monsieur le cercle. Ça serait le plus beau jour de ma vie. Tabarnak. C'est-tu fini? Non, il y a un autre couplet. Oh, tabarnak. Je suis le cercle. Je suis très pratique. J'aime ça encercler des choses ou mettre des choses encerclées. Est-ce que ta gueule! J'avais pas fini. Hey! J'ai dit que t'as fini. OK. Allez, merci Tom Studio. Allez, rejoignez le Discord d'Alvino Movies et allez-y, là. Gênez-vous pas parce que le quiz, ben voyons donc, commence maintenant. Ben voyons donc! Let's go! Hey, hey, hey! Salut! Oui, votre quiz préféré, je le sais! Édition spéciale, mesdames et messieurs, avec élimination, nous allons... Ah, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur, je vous vois à la maison. Il y en a qui ont la chienne de leur vie. Avez-vous mis votre application à jour, mon cher Dominique Quédrin? Il faut faire les mises à jour. Oui. Hein? Oh! Ça va bien, ça va très, très bien. Oui, oui. Baissez le son de votre radio, on entend un retour, monsieur. Tout de suite, là. Quand on appelle à une ligne ouverte à la radio, il faut baisser le son de l'émission, sinon ça fait de l'interférence et on peut tomber dans le continuum espace-temps et mourir. Ah ben ça, on veut pas ça. Déjà qu'on va mourir dans le quiz, il faut pas mourir avant le quiz. Oui, d'ailleurs, vous avez pas peur de mourir, monsieur? Ben, j'ai checké mes assurances, puis ils m'ont dit que si c'est un quiz puis que c'est accidentel comme ça, c'est correct. Mais dans la cuisine, moi, je suis dans le salon, je ne sais pas si... Il fallait qu'elle ouvre son micro. Allô, allô? Un, deux, ah, un, deux. Ça marche. Un, deux, un, deux. Un, pas de poil, maudit. Mon Dieu. Vous êtes... Bravo, vous avez réussi. Bonjour. Oui, vous êtes... Allô? Vous êtes qui, vous? Allô? Je suis Franco. Bravo, bonne Bonjour. Réponse! Ouais, non. Je dérange mes enfants, je vais changer de pièce. Bon, là. Bon. C'est quoi ça, des enfants qui dorment pas? Ça parce que la mère, elle parle trop fort. Pas parce qu'il y a école demain.
Franchement. On peut plus rien faire. Bon, est-ce que vous êtes prêts à réveiller les enfants de Valérie Bleue, s'il vous plaît? Oui! Que les règlements sont simples. C'est gueule le premier. Vous allez devoir gueuler une réponse avant la question, pendant la question et après la question. Vous avez droit également au chat. Le chat, vous avez droit d'aider nos concurrents. Vous avez droit de souffler des réponses. Mais vous avez droit également de faire le troll et d'écrire un peu n'importe quoi. Et ça sera leur risque et péril de se fier à vous. Voilà, ils peuvent se fier à vous, mais vous avez le droit de donner des vraies réponses ou des trolls. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, ça gueule le premier. Alors, ça va gueuler, on comprendra absolument rien. Ça va être cacophonique. Denis Talbot. Bonne réponse. On y va avec... On y va avec la catégorie film d'action. Là, c'est le temps de gueuler des niaiseries. Jean-Claude Van Damme. Schwarzenegger. Non, mais ça aurait pu. C'est impossible. Non. Les Dangereux. Ah, c'est un très bon film, ça. J'aurais aimé que ça soit ça, la réponse. Ouais. Chuck Norris. Oh, le chat qui est en feu pour Chuck Norris. Mesdames, messieurs. Incroyable. Bruce Willis. Là, pour ceux qui arrivent là, sur la chaîne ou qui voient la miniature sur Twitch, ils voient juste un bonhomme de Squid Game avec trois personnes dans une marmite, puis ça demande. Qui risque que ça doit être weird? Ils sont comme, what the fuck, ce stream-là? C'est-tu une vraie personne? Salut! C'est une marmite pleine de dèches. C'est voilà. Catégorie film d'action? OK. Bonne réponse! OK, était la question. La réponse. Ah, yes! Non, c'est pas vrai. Film d'action, attention. Oh. Quel auteur incarne le personnage de Dominique 80... Attends une minute, je suis tout mélangé. Quel acteur incarne le personnage de Dominique Dom Toretto dans le franchise Rapide et Dangereux Fast and Furious? C'est Keanu Reeves? Non. C'est l'autre, le Vin Diesel. Oh, allô? Farouko, non! Bonne réponse! C'est Farouko qui a eu Vin Diesel. Vin Diesel. Hey, tu sais, là, rapide et dangereux. L'autre! Tu sais, rapide et dangereux, là. Rapide et dangereux, là, c'est c'est un film de voiture, puis il s'appelle Diesel. Moi, je pensais que c'est l'autobus. Diesel. OK. Son autobus, même pas au diesel, tu sais. Ben, c'est ça, franchement. Fausse publicité. Ben oui. 20 diesel. À la catégorie Rome antique. Dominique Fontaine. Jules César. Mais non. Bonne réponse. Ah ben c'est ça qu'elle le premier. C'est ça qu'elle le premier. Quel général romain a conquis la Gaule en 52 avant Jésus-Christ? Indice, pensez de la salade. Et ben c'était Jules César. Salut Jules! T'es tombé dessus! Bravo, ben Chris! GG, bravo! J'avais même pas posé la question! Mais... Hey! J'en connais un qui sera pas éliminé! Non, j'en connais une, par exemple, qui est sur le bord. J'en connais une qui n'a pas de points. On joue à gueule le premier édition spéciale. Il y a eu juste deux questions là. Wow. Miss qui a eu 30 000, qui a manqué 30 000 aussi. Hein. Ouais. Non, pas 30 000, 18 000. On joue à gueule le premier édition Squid Game. Le perdant sera éliminé. Bon. Non, attends, les deux perdants seront éliminés. Yes. Ben oui, c'est ça. Yes. Fait que là, j'ai appelé la gardienne au cas où d'un coup qu'on finirait pas la soirée. Quelqu'un vient ramasser les enfants. Ah, c'est donc bien gentil. Ça gagne les enfants perdant leurs parents. Gars Valérie Bleue qui brise la magie. Quelle gardienne! On a une gardienne? Attends une minute, j'arrête le quiz. Il paraît que c'est un beau blond.
bâti. Oh! Ah, j'allais dire que c'est une ancienne joueuse de l'équipe de volleyball de plage suédoise. Ah, battez-vous, battez-vous, s'il vous plaît. On rappelle au chat que Valérie et Dominique sont des fiancés. Ils sont mariés, hein? Des fiancés. Ils sont mariés, oui. C'est un couple. Ouais. Imaginez-vous ouais. Donc. Oui. Imaginez-vous donc. C'est ça la réponse? Oui. Oui. Regardez un peu, là. Mais c'est un « t'es mari et qui? » Attends, j'ai amené le cercle et... avec nous pour faire plus de marde. Le cercle! Salut tout le monde! Non! Je peux-tu jouer moi drôle, aussi? Non, ben, oui, tu peux pas jouer, mais tu peux surveiller la game. Je vous surveille, okay. Vous autres! Bon, bonne affaire. Salut le cercle! Salut, Farouko! Je me sens surveillé tout d'un coup. C'est une bonne émission, ça, le cercle. T'es bien plus haute que quatrième. Oh, 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 oh! Pardon? On est dessus, ouais. Mais je te remercie, Farouko. Il te maltraite depuis tantôt, oui, je suis en crise. C'est pas grave, je vais vous regarder. J'aime ça regarder du monde dans le spa. Bon, ok, ta gueule. Bon. C'est louche, ça, par contre. Il y a un coup de foot, mais je le savais pas. Ouais. Il aime ça regarder du monde dans le spa. Il y a 14 questions, fait qu'on enchaîne. Détestable moi. C'est la catégorie. Gros. Détestable moi. Gru. Comment appelle-t-on mignon. Les petites créatures jaunes? Mignon. Mignon. Ah oui, mais c'est Farouko qui a eu. C'est Farouko, ça. Ouais, Farouko. Ça le mérite, ça. Ben voyons donc, il est plus rapide que la lumière. Mesdames, messieurs, Farouko mérite un point. Boy. Voyons donc. Yes. Merci, bravo. Ça a été vite, hein? D'ailleurs, c'est vrai qu'il ressemble à un mignon. Ben c'est gentil, merci. Ta gueule! Là, encouragez-les pas, hostie. Affirme-toi, le cercle, affirme-toi. Je peux pas. Ok, catégorie. Tue-le, le cercle. Fais comme tu as fait avec le X. Tue-le. Tantôt. Bon. Pardon? Mythologie. Ah, oh, la catégorie Grèce. Mythologie. Loup-garou. Jules César. Gueule le premier, allez-y, c'est le bordel. Mercure. Zeus. Apophis. Bonne réponse, Farouko. Mais voyons donc. Qui est le dieu suprême dans la mythologie grecque? Et c'est Zeus. Et c'est. Wow. Ouais. Wow. Là, au lieu de dire, waouh, Valérie, tu devrais te dépêcher à faire des points. Ouais, hein. Parce que là. Elle essaie d'étaler la question, est-ce-tu? Mais non, mais qu'est-ce? Mais non, c'est ça, gueule le premier. C'est ça, gueule le premier. C'est gueule le premier. D'accord. Ici, madame. Qualifié, Valérie. D'accord. Gueule le premier, OK. D'accord. OK, vous êtes prête, là? Oui. Bon. Bonne réponse! C'est très drôle, Valérie. C'est Farouko qui a dit ça! Voyez, c'est un cave. Catégorie espion! James Bond! 007! Bonne réponse! Non! On l'a dit en même temps! Quel agent secret britannique a pour matricule 007? Eh bien, c'est James Bond! Ah, On l'a dit en même temps, mais bon, on va le donner à Dominique pareil. Xanadu, comment ça va? Mekog qui est là mon également, guest, salut! Inspecteur Gadget. Inspire, salut! Pista Baba, salutations! Binary Bone, comment ça va? Il y a bien du monde. Ben oui, on est 111, on fait un vœu. On fait un vœu. Faut pas le dire. Je souhaite de gagner. Ah, faut pas le dire, hein? Colin! Éliminé! Je ferais pas des blagues comme ça à ta place, Valérie. T'as 0 point à date. Ouais. OK. Catégorie LNH. Patrick Roy. Yann Lafrenière. Vincent Danfousse. Je comprends pas ce que... Les Red Wings. Joey Junot. Mike Bossy. Brian Savage.
Carey Price. Bonne réponse, Valérie! Mais voyons! En 2015, quel joueur des Canadiens de Montréal a remporté le trophée Vézina remis au meilleur gardien? Eh bien, c'est Carey Price. C'est incroyable. On dirait qu'on joue à Géopardy, ce qu'il faut. Ils disent c'est le jeu d'envers. Oui, je suis à Pinette, mais Cog. Qui est Sapinotte? Farouko, bonne réponse. Renal Carré, Sapinotte, non? Oh, ouais. On peut pas ne pas toi de le dire. Ta gueule, le cercle. Okay, moi, j'en ai fait. Hey! Ah! Il écoute pas ben, le cercle, hein? Charles Lefortune serait pas content. Je tenais. C'est ça, je l'ai dit! C'est une excellente émission de TV! Charles Lafortune serait pas content, Carlis. Moi, je comprends pas. Ben, le cercle, c'est une émission de télé. Ah, j'écoute pas TVA. TVA! T'es laid quand tu ris, le cercle. Ok, catégorie vrac! TV! Que veut dire F de l'émission Code Fille? Ah, Carlis. Carlis! Oui. Éliminé! Yes! Sacrement! Petit gars, là! Je me suis trompé. Quel veut dire le F de l'émission Code F? Féminin! J'ai dit la réponse, Asti! Fail! T'es vraiment cave, Triangle! Ta gueule, le cercle! On va ramener les X, ça continue, là. Moi qui garde. Binary Bones qui donne des bits et qui dit point à ce gars. Merci. Le sec, ça sera meilleur numéro toi, inquiète-toi. Bon, ben. pas de point pour personne, là. Je m'excuse. Je suis sûr, okay. Que c'est pas lourd en arrière du masque. Peut-être. Eh bien, vous avez raison. Pas une erreur comme ça. Les Expos en 1996 ont remporté. Non, okay. Émission jeunesse! Catégorie émission. Passe-partout, cailloux! Okay. Les pierres à feu! Yeah. Inspecteur Gadget! Catégorie émission jeunesse! Maya l'abeille! Bibi et Geneviève! Le village de Nathalie, mon Dieu! Les Transformers! Téléchat! Télépirates! Ah, mon Dieu, Pokémon. Ça! J'aimais ça, Télépirates, moi! Les Aristochats! Ouais. Quelle série a pour personnages principaux des chiens forts et débrouillards menés par un jeune garçon? Patrouille! Oui! Ah, comment ça, tu sais ça? Ben, comment ça, tu sais ça, Verco? Je l'écoutais des fois avec mon neveu! Ah, si! Avec son neveu! Ça, mon neveu! Comment ça qu'on n'a pas catché, nous autres? Pat Patrouille est une bonne réponse! Là, on devrait arrêter d'écœurer Farouko parce qu'à date, c'est lui qui a tous les points. On joue à gueule le premier édition Squid Game. Les perdants seront éliminés. Pas bien d'hommes. Eh oui. J'étais bien dans le divan, moi, et puis lui, écoutez ça. C'est moi, ça. Je connais des enfants qui vont être orphelins. Mais non, mais ils sont. Son mari et femme, puis ils ont fait des enfants. Vous avez fait des enfants, right? Ça a l'air. Aux dernières nouvelles, c'était les miens, là, oui. Tu sais, que c'est pas mon neveu. Catégorie! si vous nous offrez vos enfants en sacrifice, on va vous épargner. Ah oui, un, c'est correct? Je vais demander au juge. Carré! Un, c'est correct? Il est parti demander à X. X, okay. Est mort. Ça va être long. Catégorie animal domestique! Chat, chien, lapin! Poisson rouge! Poisson, oiseau! Bravo Valérie, Pérus. C'était chat! Bravo! Chat de la peur! Ouais, ben ça va bien. Hein? Le tonkinois n'est pas une soupe. De quel animal s'agit-il? Oh. Mais c'est pas un chat, c'est un chien.
Mais non, s'il a dit un chat, t'as la bonne réponse. Le tonkinois n'est pas une soupe. De quel animal s'agit-il? Là, t'as dit chat, puis là, j'ai dit bonne réponse. Ben, j'ai mis le point de toute façon. Je pensais qu'un tonkinois, c'était un chien, moi. C'est quoi un tonkinois, pour vrai? C'est un chat, moi, je sais que c'est un chien. Ouais, mais moi, j'étais sûr que c'était un chien. C'est un chat qui est de la région de Tonki. Attends, le tonkinois n'est pas une soupe. De quel animal s'agit-il? C'est marqué chat. Tonkinois. Ben oui, race de chat, toi. Ok, t'as été googlé, mon chat. Un chat avec une face grise. Non, mais je viens juste d'y aller, là. Ah, y a-tu la face aplatie comme si elle allait rentrer dans un mur? Hey, c'est pas Marie-Maman qui en a un comme ça? Je connais pas les chats. C'est le chat de Dr. Evil? Ah non, c'est pas, il n'y a pas la face aplatie, il y a la face, tu sais, comme gris au... ou brun. Ah, comme un, les... un embris, le chat là. De Dr. Evil dans ouais, Austin c'est ça, Power. Dr. Evil. Ça ressemble à un siamois. Non, non, lui, c'est pas un chat pas de poils. Ça ressemble à un siamois. Ben, ça dit un mariage de siamois et de burmesse. Ah. Non, non, un chat pas de poils, c'est un sphinx. Hey, c'est-tu juste moi qui s'en calisse? Non, moi aussi, non, moi aussi, il est pas mal. Il est de type semi-foreign, c'est-à-dire compact et musclé. Bon. Ça ressemble à un siamois gris, qu'on dit. Merci. Merci tout le monde. Mais ça, est le Molosse qui vient de faire tomber un emoji de Dr. Evil. GG. C'est beau, ça. Oui. Ça ressemble à un chat avec le poil et moustache, la totale. Ouais, ben c'est ça. Des jumelles siamoises et de burnes, ouais, j'avoue que de Sturbrick, c'est intéressant, ça. Mais Cog se demande si ça se mange. Moi, je dirais que oui. Tout se mange, mais Cog. Hey. Tout se mange. Avec du ketchup, tout se mange. Tu peux le manger. Ah, qui a dit ça, Dominique? Avec du ketchup, tout se mange? Avec du ketchup, tout se mange. Ah, c'est donc ben beau. En plus, c'est Ernest qui le dit. Hey, on passe à peu près 3 bouteilles par mois ici de ketchup. Ah, mon Dieu, ben vous devriez aller chez Costco, ils vendent des galons. Ouais, mais on est allergique. Hein. Au Costco? Au ketchup? On est allergique au Costco. Au Costco. Ben comment on en ligne? Parce qu'on a... On a habité longtemps dans un appartement puis qu'il n'y avait pas de rangement, fait qu'on a arrêté d'y aller. Non, pas juste ça. J'haïs ça, elle est là. Tout le monde est désagréable. Ah! T'es pas obligé de parler à du monde! T'es désagréable, non, ils prennent dedans avec leur famille. Tu mets un masque de Squid Game puis ils vont pas te parler? Ouais! Ils sont désagréables. Ils bloquent le chemin. Ils prennent dedans avec leur famille. C'est pas pour rien que la question est Allô? En lien avec la soupe tonkinoise, je crois. Ouais. Oui, ouais, voilà. Tout à fait. Ah, c'est ça, la petite viande. Oh, Squid Game version Costco. Ben là, je vais y aller. Ben ça serait le fun. Va au Costco de Boisbriand, c'est moins pire. Ben oui, on est loin un petit peu. C'est de loin de l'arrivée. Il y a Mika qui également qui dit change de Costco. Ouais. Ouais. Ah, oh, t'es-tu en train de faire une guerre de rivage, Valérie Bleu? Ouais. T'es en train de faire une guerre de rivage. Mon côté est plus beau que le tien. Ouais. Ah! Mon chum est plus beau que le tien. Mais c'est pas moi qui a parti ça, là. C'est pas moi, là, qui a parti ça. Ben oui, c'est toi qui a parti ça. Non. Ouais. Non. Ouais. Je vais aller. C'est Rafi qui a parti ça. Non, elle dit c'est que la rive nord, c'est bien mieux. Ah, mais c'est pas vrai. Ici. Sur mon stream, à moi, c'est toi, là. C'est la Valérie. Moi, je pense qu'on y enlève son point. Ben là, je vais demander au juge. Coré! Il est pas revenu encore. Il est pas revenu. Je pense qu'il a découvert que c'est mort, moi. Mesdames et messieurs, catégorie dessin animé! Les Looney Tunes! Les Scratchy! Les Simpsons! Garfield! Les Pierre à feu! Bumbo! Tintin! Astérix! Vous êtes beaux quand les vous gueulez! Les Transformers! Les Kalinours! E-Man! Les Schtroumpfs! Transformers! Elle était tellement sûre que c'était les Schtroumpfs, la manière que tu l'as dit! Bob l'éponge! Comment se nomme l'âne mélancolique qui est ami avec Winnie l'ourson? Bourriquet!
Ah, oh, c'est... Dominique! C'est Dominique, hein? Oui. Ouais, 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 ok. Mais oui. Je m'en plus ben, toutes vos voix, ça ressemble. On allait dans Shrek, moi, là. À travers les micros, comme ça, de, vos voix sont similaires, des fois. Bourriquet. Bourriquet. En anglais, Bourriquet. C'était quoi? Yor. Boomer. Ah, qui a dit ça, Dominique? C'est ça, c'est Yor. Yor, ouais, ça se prononce Yor. Yor. Ouais. Boomer. Yor. Yor. t'écoutes ça la série policière Yor? Oui. Oui, hein? Je cherche encore le bourriquet dedans, j'ai pas trouvé. Yo! Cette valeur. On a un peu de peine, hein, les amis. Bon, ben là, il faudrait se grouiller le cul un peu parce qu'il y en a qui vont décéder. Ouais. On vous rappelle qu'on joue à Squid Game, gueule le premier. Et les perdants seront éliminés sous vos yeux. Une balle dans la gorge. Non, on va juste vous noyer dans le spa. C'est moi qui vais le faire. Oui, le cercle. Oh. Le gagnant va aider? Ah ouais, s'il veut. Ou il peut regarder aussi. Voilà. Et rire avec du popcorn. Ah, oh, c'est violent. Hier, c'est pas une série policière. Ouais, ouais. Ben moi, dans mon cœur à moi, c'était une série policière. Hey, mesdames et messieurs, vous le croirez jamais, mais Boîte à clous viennent de follow la chaîne. Bienvenue, Boîte à clous, sur Advino Movie! Boîte à clous de Boîte à clous, c'est Pèlerin qui serait content. Puppet Show, marionnette, allô, plaisir, dans un spa. C'est pas clair! Ouais. C'est pas clair, mais c'est un quiz. C'est Pierre. C'est pas clair comme l'eau du spa. Elle est pas claire pantoute, est-ce que tu pas de reflet? Là, pendant que. Avant que Faruko disait de fermer vos yoles, d'écouter la tonne, mais c'est quoi vous avez dit? Vous avez. Boîte à clous de Boîte à clous, c'est Pèlerin qui serait content. Ben, pourquoi? Parce qu'il avait échappé la boîte à clous, puis il a dit ça. Boîte à clous de Boîte à clous. Non, l'aidait. Ça, c'est fardoche. Quand Pascal a échappé sa boîte. Après ça, Pruneau l'a... Non, ça, c'est la boîte qui était tombée sur... L'enclume qui était tombée sur la boîte secrète de métal. Mais... Ouais, mais Pèlerin qu'est-ce qui... Attends une minute, là. Fardoche dans Passe-Partout. Okay. C'est un vieux sec, hein, un fermier. Il dit, touche pas ma boîte secrète à Ouais, puis là, elle a fait tomber l'enclume sans la boîte secrète. Mais tu sais, un Moi, vieux... je pense que c'est toi, ma petite fille, qui a fait tomber l'enclume. Oui, il s'est fâché, puis il a dit ça, il s'est fâché. Tout le Québec, tous les enfants, tout le Québec au complet avait peur. C'est une émission pour enfants. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus louche qu'un homme avec une moustache dans une grange avec une boîte secrète? En métal. C'est vraiment qu'est-ce louche. Qu'est-ce qu'il y avait... C'est plus louche que le cercle. Qu'est-ce qu'il y avait dans Chris de boîte secrète? Elle sait bien pas, Carlis. De la coke! Des Playboys. On ne saura jamais, hein? Des photos de petits-enfants tout nus. Des Playboys. Ouais. On veut savoir, fardoche! Il faudrait l'interroger qu'une lampe. Ah, c'est sûr qu'il y avait de la drogue dans cette petite boîte-là. Son chien s'appelait Papillon. Ouais. Pour Papillon, Chris, c'est un chien! Bon, excusez, exactement. Je me suis laissé emporter. Mais sais-tu comment j'appelais ça, moi, les moustaches, quand j'étais petite? Fardoche avait une moustache. Des pénis? Non, j'appelais ça un peuplon. Pardon? Un peuplon. Ça ressemble à papillon, un peuplon. OK. Ceux qui viennent se joindre à nous, Valérie Bleu, quand elle était toute jeune... Elle appelait... dans un programme de réadaptation. Elle appelait les moustaches des... Peuplon. Quand t'étais petite, quel âge, ça, genre? 12 ans, 15? Ben, 3-4 ans, jusqu'à 3-4 ans. Ah, OK. Des peuplons. C'est trop tard pour divorcer? Ouais, je pense qu'il est trop tard pour divorcer. Je m'excuse, mon cher. Il fallait que tu le fasses avant, j'aurais jamais dit oui, je le Dominique, je vous rappelle qu'il est le conjoint, le mari à Valérie. Dominique, c'est la première fois que tu entends parler de ça? Ben oui, si elle m'avait dit ça avant, j'aurais jamais dit oui, je le veux. J'ai dit oui, cri de folle le soir. Sais-tu comment qu'elle a pris des moustaches quand elle était petite? No way, je m'en vais. Voulez-vous prendre comme épouse Valérie Bleu Indigo Mauve? Qui appelle les moustaches des peuplants? Non.
sais-tu quoi? M'aller aux danseuses. Des peuplons, c'est prêt. Yes, j'ai comme plein de sentiments dans le cœur. Je trouve ça cute, puis en même temps, j'ai le goût de casser le cou à l'enfant de 3 ans. Ouais, c'est bizarre. Moi aussi, c'est comme bizarre. Des émotions mixtes. Hein? Ouais. C'est spécial. C'est du patinage artistique. OK. Ça, elle l'avait déjà dit, par contre. Puis je faisais de l'éducation physique. Oh, shit. Mais du patinage, comment? Artistique. Ça, c'est... Asthmétique. Ça doit être difficile pour un enfant de 3 ans. J'ai commencé à 4 ans. Mesdames, messieurs, Capitaine Ouellet qui vient d'offrir un abonnement à Sun World. Oh yeah. Capitaine Ouellet qui est complètement en feu. Quelle générosité. Merci. Hein, Capitaine Ouellet qui a offert 76 abonnements sur cette chaîne. Quand même incroyable. Est-ce qu'on peut mettre du hype dans le chat pendant la superbe bonne chanson que j'ai faite moi-même pour remercier Capitaine Ouellet et dire bienvenue à Sun World. C'est sa sœur. Moi, là, j'ai pas le chat devant moi. J'ai pas le son, j'ai le chat. Non, j'ai rien du tout. Écoutez, c'est Capitaine Ouellet qui dit c'est l'une de mes sœurs que j'ai offert le sub. C'est-tu mignon, ça? Si y a un train qui commence, est-ce que le coup, j'en vais finir? Ouais. Êtes-vous pressé? Parce que là, il y a un train de la hype, je m'en vais danser. Est-ce que vous. J'espère que vous avez rien de prévu, hein, parce que je reviens dans une heure et demie à peu près. Bye! OK, à tantôt! Bye! Hein, c'était le train de la hype. Ça va la main? Ça va? Oui? Un peu, là, je suis tout mélangé. Attends. Êtes-vous toujours là? Toujours. Ah non, ils se sont noyés. Ça va la main? Elle est pas déguisée, elle est déguisée. Elle avait dit qu'elle allait se déguiser. Elle était déguisée tantôt. T'es déguisée en moi, banane. T'es parti tellement longtemps, là, j'ai eu le temps de faire 6 dessins puis je les ai mis sur ton Discord. Des dessins? Si. J'ai le temps de faire 6 branlettes, moi. On n'est pas à maternelle ici. C'est pour mes élèves. Des petits monstres. J'ai passé 6 gardiennes pendant ce temps-là. Mesdames, messieurs, on joue à gueule le premier et spécial Squid Game. Et les perdants seront éliminés ici même, sous vos yeux, avec la torture pis tout. Ouais. Ben, hâte. Si j'ai hâte. Hey, vous êtes mieux d'embarquer. Mais si vous faites pas les bruits de quelqu'un en train de mourir, je vous tue. Oh, dans 15 minutes, je vais me coucher, petit gars. Petit triangle. Il reste 4 questions. Sinon, ça va le cercle? Mais oui. Bon, parfait. Catégorie consommation! D'essence. Consommation et la catégorie. Allez-y. Électroménager. Quoi? Hydro-Québec. iPhone. Quel animal est la mascotte du beurre d'arachide Kraft? Un ours. Oh, je pense que c'est Farouko, hein? Si je me trompe pas. Je vais regarder la reprise au ralenti. Eh ben, selon les juges, c'est Farouko qui l'a dit en premier. Ben, GG. Yeah! Oui, la personne qui ne meurt pas. Ah ouais, c'est ça. Par contre, je dis ours, mais ourson puis ours, c'est la même chose. Moi, je dis nounours. Fait que ça se passe aussi proche l'un l'autre. Ouais. Combien de gardiennes t'as passé? 6. C'est bon. Fernande, elle donne pas sa place. Oh, Fernande, quand elle enlève les dents. OK. Catégorie, tenez-vous bien, catégorie guerre! La première, la deuxième, 14, la troisième. 39-45.
La guerre. La guerre de Santé. La de Normandie. C'est violent. Bonne raison pour se faire mal. La guerre des Turcs. Chloé! Rack Bonneau qui dit Tony le Tigre. Ah, ça serait plus. La guerre des étoiles. La guerre des clans. La guerre des choix. Luxonné. Ah, vous êtes quand même fou. La split. Garde gang. Est-ce que vous pouvez... gang. Est-ce que... Warren. La guerre de gang. Calice. La guerre de gang. Est-ce que... La guerre vous... des guerres. Aimeriez-vous ça avoir la question ou... Non. Oui. La guerre des mondes. La guerre des roses. Oh, c'est beau, Seb, tu sais ça. La guerre des roses. Oh. Attends, je vais mettre le... Ah! 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 La guerre des mauves, c'est plus beau. Attention à la question. À quel endroit à Québec l'armée britannique a-t-elle vaincu l'armée française? Plaine d'Abraham. Oui! Ah! J'allais dire la guerre des Abraham. La guerre des Abraham. Je cherchais les plaines dans ma tête, il y avait juste le mot guerre qui sortait. Elle va mourir. Oui, c'est sûr qu'elle meurt, elle. Elle, c'est sûr. Ah, c'est... OK. Mesdames, messieurs, c'est les deux dernières questions, là. Mais on va prendre notre temps pour que Valérie aveille à soir. Elle va laisser Céline dans son bain. Elle veut mourir dans son bain, qu'elle m'a dit. Oui, je suis sûr que les trois enfants, ils ont les deux yeux bien grands ouverts et essaient d'écouter ce qu'ils disent. Ben, c'est ça. Là, ils pensent qu'ils vont vraiment devenir orphelins. Mm. Maman, pourquoi tu vas mourir? Ils vont se tuer. Faut les empêcher. Ça ferait un bon film pour enfants, ça. Hey, oui. Il faut empêcher les parents de se gonner. catégorie Stranger Thing. Ah, oh, tabarnak. Je connais pas ça. Moi non plus. C'est ça. Pause. Hey, vous êtes pas bon. Ricochet. Miroir. Miroir. 11. Ça fait peur. Ça fait peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a des... Donjons et dragons. De quel aliment 11 raffole-t-elle? Ketchup. Moutarde. Non. Saucisse, beurre. Non. Les queues. Bacon. Les égaux. Ah oui. Bon, les crêpes. Bonne réponse. C'est les gaufs égaux. Bonne réponse. Ah, bon, GG. Égal, égaux. Oui. En parlant de GG. Dis merci le chat. Merci le chat. Oui. Valérie est un peu fâchée, on dirait. Ouais. Et ta mère, parce qu'elle va mourir. Ouais. J'ai mais là, au chat. Là, elle sera plus mère en tout cas. Elle va juste être A. Là, mesdames et messieurs. C'est la dernière? Non, c'était la dernière. Ah. Ben, t'as aussi deux. Et on a égalité. Oh! Fait qu'il y a juste je pense que c'est Valérie Bleu. Je suis sûr que c'est Valérie Bleu. Dominique et Farouco l'emportent sain et sauf sans mourir! Bravo! Yeah! Hey, on a sauvé un des orphelins. Tellement heureux. Merci au gaufre égo et Gabgounette d'avoir sauvé notre famille. Ouais, comme ça, les femmes. Valérie Bleu, Indigo éliminé. Ouais, ouais, merci de Cedric pour les bits qui dit Valérie Bleu Indigo éliminé. Valérie? Valérie? Ah, c'est déjà tiré. Non, je me suis cachée. non, t'es okay. Là, tu vas pas te cacher. Alors, on va prendre Valérie Bleu, là, comme ça, attendez. Et on attendez une minute, là. Attends une minute. Le cirque m'a-tu aidé? Attendez, t'es-tu prête à mourir, Valérie? Là, faut que tu fasses des cris parce que je vais te lancer dans les airs. T'es-tu prête? OK, ouais. Vas-y. Ah! Gang, 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 g
Ah! Elle est morte, mesdames et messieurs. C'est gore à tabarouette, ça. Les deux gars, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné, remporté le quiz et de ne pas avoir mouru? Ah. Ben c'est ça. Je suis content. Je suis aussi content d'avoir gagné que je suis vraiment content de ne pas être mort. C'est ça. C'est plus ouais. Ça. C'est ça, oui. Oui. Ouais. C'est drôle, on l'entend plus, Valérie, hein? Non. C'est ça. Elle vient son rôle de mort, c'est bon. Ouais, ouais, mais en même temps, il fallait qu'elle aille se coucher. Fait que, elle va faire un petit exact. Dodo, un petit dodo éternel, hein? Toujours. C'est ça. C'est ça. Ben, elle voulait participer, vous le saviez avant de participer, hein? Ben moi, j'ai dit, j'étais en contrat à mourir. Ouais. Vous avez signé un release? Vous saviez que... Ouais. J'ai pas lu le release, moi, l'esti. Ben, tu l'as signé, en tout cas. Ah, ben, c'est ça, t'as gagné. Ouais. Tantôt, c'était pas un autographe là, qu'il fallait que tu signes, c'était ça. Ben, ouais. Yes, il y en a qui sont pas fiables. En tout cas, encore une fois, GG d'avoir survécu. Est-ce que t'as... Premièrement, Dominique? Oui. Mes sympathies? Ouais, alors aussi bien, attends un peu, ma conjointe est morte, toi! Il avait oublié! C'est ça, là! Tout le chat se demande, Dominique, tout le chat se demande, comment tu vas annoncer ça aux enfants? Hey, j'hésite. Est-ce que je m'assois avec eux autres demain matin? Ouais. Ou je leur remonte la reprise? Je sais pas qu'est-ce qui est moins traumatisant. Si je serais toi, garde, j'irai acheter un gros gâteau au Dairy Queen. Tout passe tellement mieux avec ce gâteau. I said fish. Demanderai à toutes les popettes sur le plateau, s'il vous plaît! Popettes. Encore une fois, on espère de bien vous avoir diverti. J'espère vous avoir diverti! Pour Il y a notre but ultime, nous! C'est de réveiller l'enfant caché entre chacun de vous. Mm-hmm. Le faire rire, le divertir. Make you mais laugh. Surtout, ben voilà. Vous faire dire: bye bye. Moi, là, quand je viens ici, le devoir m'appelle. Sur Alvino Movie, j'oublie tous mes soucis. Mais oui, c'est clair. Mais n'oubliez jamais, au grand jamais, ne sous-estimez jamais. Jamais, guys. Jamais. Le pouvoir des popettes. Allez, on danse. Come on!